Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode d'Elite Dangerous dans lequel nous allons tenter de faire quelques petits frags dans le site d'extraction de ressources que j'ai en face de moi. Faut savoir que j'ai fait beaucoup de routes et j'ai regretté de pas avoir eu de système de découverte. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je cherchais un truc où il y avait une grande chance d'avoir des choses. Et apparemment donc ce site d'extraction de ressources est plutôt pas mal. Salut, salut. Malheureusement, je suis occupé vu que je vais atterrir, donc je vais essayer. Hop. J'ai même pas vu de connecter. Hop. Je vous rappelle que la technique pour arriver au plus près possible, c'est d'arriver en perpendiculaire. Hop, deux secondes, je vais me garer. Forcément, c'est quand je commence à faire des trucs chiants, il n'y a personne. Quand je fais un truc bien, il y a du monde. C'est parti, allons-y. Bonjour! Alors. Est-ce qu'il y a des gens? Je vois quelqu'un derrière moi. Il y a du monde. Forcément, on m'envoie des... Mais tout le monde réagit en même temps, c'est pas possible. Transport type 7. Normalement, il n'y a pas... Casier vierge, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On va en profiter pour remettre... un peu plus de choses comme ça. Au niveau des cibles, qu'est-ce qu'on a? Ok, un deuxième transport et un adder. Le adder étant peut-être une cible potentielle. Scan detected. Hop. Le voilà. Scan detected. Commander Bond. Il va revenir vers moi, vous inquiétez pas. Non? Il veut pas revenir? Ah si, le voilà. Le problème c'est que c'est moi qui t'aurais, mon pote. Pourquoi t'es aussi loin? Oh! Tout mettre dans l'armement. Ça va toucher, ça touche. Et je l'ai eu au contact. Bien fait. Dans ton cou. Oh, les Diamondback Explorer aussi, j'en ai vu plusieurs qui m'ont intercepté. J'ai curieux de voir s'ils seraient pas un petit peu intéressés pour du dogfight. Hop, allons voir ça. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Non, 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 tu restes là. Non, je suis désolé, tu restes là. Casier vierge, t'as bien de la chance. C'est bien la seule chose qui est vierge ici. Oui, oui, j'ai pas peur de le dire. Blablabla. Ah bah y'a plus personne maintenant, voilà quoi. Alors. Bonjour, ne bougez pas. On parlait combien qui m'agresse? Oui. Alors, je vois des spots sur le radar. Hop. On va aller voir ça de plus près. Putain, mais ils sont à chaille en fait.
Ça y est, j'en ai un là. Oh, mais non! Fragment? Ouh, mais... Ah non, ça pouvait être intéressant. Falloir que je m'y mette, chers amis. Hein. Je vais m'y mettre comment, au forage, tout ça, au vidule. Seulement, il me faudrait peut-être mon vulture avant. J'aimerais bien faire autre chose que de la chasse à la prime. Mais j'aimerais bien avoir mon vulture aussi un petit peu avant. Je dois l'admettre. Hop, voilà, le bon sens. Hop. Alors toi tu seras certainement pas... Oh, 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 oh. Casse-toi, je vais le prendre, casse-toi, je vais le prendre. Dommage. Ça va toucher. Non, c'est bon, ça n'a pas touché. Putain, je suis stylé quand même en ce moment. Hein. Je fais des choses vachement stylées. Bon, par contre il nous faut des gens à tuer. What? J'ai cru voir un... Ah non, Sidewinder, putain. J'ai cru voir autre chose. Un truc bien plus intéressant sur le point de vue économique. Scan detected. Hop, les bonjours. Hop. Ah, oh, mais écoute. La vache! C'est quoi son armement? Comment il peut me faire autant de dégâts, le Sidewinder? Hop, j'ai pas vu s'il m'avait écrit quelque chose. D'accord. Par contre, ouais, y a pas grand monde. Back Explorer. C'est vrai qu'on m'avait dit qu'il ressemblait à une abeille, mais c'est vrai qu'il y a un petit. Il y a un petit quelque chose. Wow. C'est un mineur, non? J'aurais dû m'en douter. Derrière moi, par contre, j'ai deux personnes. Ouais, c'est pas par là que je vais passer. Hop, merci. Alors, un Viper, des forces de sécurité interne. Non, c'est pas intéressant en soi. Alors, qu'est-ce qui me scanne? C'est bon, on pouvait y aller, pilote, d'accord, ok, bon, c'était eux. Y a vraiment personne, je fais pas beaucoup d'argent ces temps-ci. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pas de module de raffinage, d'accord. Faut absolument un module de raffinage, ok. Oula! C'est quoi ce bordel? Crimson coordonne initialized. All ship must submit to police scan. Oh la vache! C'est la violence. Alors excusez-moi une seconde. Moi je me lève, je vais couper le moteur. Hop. Crac. Crimson. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, où ils sont? Messieurs les gendarmes? Messieurs les gendarmes? Messieurs les gendarmes? Regardez le nombre de trucs qu'il y a de métaux à précieux ici. Ce serait vraiment génial que je vienne avec un... Viper. Alors, est-ce qu'il y en a quelque chose d'intéressant? Putain, il n'y a que des flics. Il n'y a que des flics. Bon, bah écoutez. On a combien? On a pas grand chose à récupérer. On a rien du tout à récupérer. What? J'ai cru entendre quelque chose comme quoi on m'attaquait, mais ça doit être dans ma tête. Ça doit être dans ma tête.
On va aller là. C'est qu'une petite station en plus. J'ai pas de grosse station dans la zone. Non, putain, la gueule. Konoto. On va aller voir Konoto sur la carte galactique. Vue du système. Hop. On a une grosse station, apparemment elle est pas trop loin. Ça c'est un monde glacé, donc il n'y aura pas de trucs autour, ressources communes, ouais c'est ça. Ok, bon bah on va à Konoto. Hop. Retour. On sort de ça. On rentre les points d'emport. Et on y va. C'est très 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 compliqué de trouver un bon spot de farm. J'aimerais en trouver un qui, en plus d'avoir en fait un bon spot de comment de farm de bounty, puisse être aussi un bon spot de comment de minage, vous voyez. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais bon, c'est comme ça. Marcosé, je peux pas. Donc bon. En attendant, je vais aller chercher une grosse station. On va aller voir si on trouve des choses intéressantes. Jeans Vision. Jeans Vision. Bah écoute, pourquoi pas. Voilà, niveau. On va pas faire le plein complet, on va juste. Ah, j'aime pas ces stations là. J'ai pas fait attention que c'était ça. Y'a que ça? Y'a que ça. Bon bah écoutez. On y va quand même. Hop. Alors je vous rassure, le farm aura lieu aussi en live, hein. Quand il y aura des lives, je me permettrai de farmer aussi dans les lives. Ce qui évitera de devoir vous taper les 2, 3, 4 millions qui nous restent à avoir. Mais bon, je reconnais que là ça commence à faire un peu longué. Mince, je me trompe complètement de bouton. Nous sommes à, ouais, à peine 5 millions. Donc faut 6 millions, on va mettre 3 millions pour le fit. Donc entre 8 et 9 millions. Hop. Ouais. En espérant que Jens Vision il puisse nous vendre un système de découverte. Vu que je me balade beaucoup, j'aimerais bien le récupérer, ce qui me permettrait en fait de grappiller un petit peu d'argent. Ce serait assez cool. On verra bien. Ouais. N'empêche qu'elle est assez loin, dis donc, ouais. Attendez, 476 SL? What? Ça va pas le faire. Je suis désolé. 476 SL, c'est un peu trop. Alors ici. Oh, on en a pas une grosse. Kiwambe, c'est pas le truc d'où je viens, à la base. Si, celle-là. C'est de là que je viens. Ça pue du cul, ça pue du cul. Putain, Nagni. Allons voir. Putain, ça pue. Ah, mais y a rien dans cette zone, nom de Dieu. Bon, bah écoutez, on va aller sur un truc qui est un peu moins loin. Ah bah il est aussi loin de toute façon. Oh la gueule. Bah on retourne là. Puis faites pas chier. Hop. Wouah. Le jeu me nique, chers amis. Ça fait plusieurs jours que je me balade à la recherche d'un bon spot.
Là, je trouve un truc de spot de ressources inexploitées. Je me dis, bon, je vais quand même aller voir. Je vais... Parce que ça fait quand même une heure et demie que je cherche encore aujourd'hui, là. Bon. Je suis encore une fois écœuré. Encore une fois écœuré. Ouais. C'est pas normal. Je suis dégoûté. C'est une sale journée pour tourner, chers amis. Sans CDSL, ça va déjà être un peu moins. Ouais. Faut vraiment absolument que je trouve un système de découverte là. Ça va devenir une nécessité. Ça va me permettre de grappiller au moins un tout petit peu d'argent. Parce que là, sinon, je vais être dans la merde. Hein. J'avance pas depuis plusieurs jours. Je suis même sorti de la zone de à l'avenue Duval. Non, en plus j'essaie de trouver sur internet des spots où ils me balancent des spots, et tout ça. Personne ne dit ça, personne ne fait quoi que ce soit. Si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à les poster, hein. Moi je serais ravi de pouvoir aller vérifier donc ces fameux systèmes. Tiens, est-ce que t'es un truc, un pauvre Sandwinder moisi? T'es recherché, bah tu payes. Tu payes ton insolence. Voilà. Voilà. Le mec il me fait la morale, non mais ça va bien. Oh pardon, t'as déjà plus de bouclier. C'est con l'ami. Je le fais juste pour pouvoir me défouler, chers amis, hein, j'annonce. Hop. Ah mince, il avait fait, je pensais qu'il allait partir en fait, en mode je me barre et puis après je vais enclencher mon FSD. Mais au final non. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Par contre, ça va pas être drôle ce fight. Hein. Ça y est. Allez, boum! Pour 3000 pauvres crédits, je l'ai fait. Je l'annonce. C'est parti, on y va. Hop! On finit notre petite balade au final, parce qu'on n'a rien fait. Je me rends compte, je suis désolé, chers amis. Hein, mais c'est extrêmement compliqué de trouver un bon spot. Je pense que je vais me remettre en mission pendant un certain temps. Je vais trouver une grosse cité avec un bon système. Et je vais me remettre en mission. Bon, ça pourrait nous donner malheureusement des problèmes parce que, d'après ce que j'ai compris, les missions n'indiquent pas si elles sont sujettes à vous donner des primes, c'est-à-dire à vous donner des commandes, pardon, à vous faire rechercher. C'est-à-dire que les missions qui sont illégales ne sont pas affichées, j'ai l'impression. Donc, bon, ce serait peut-être pas si mal de les afficher, mais bon. Je sais pas, je sais, faut vraiment que je m'y intéresse de près pour pouvoir être en mesure de correctement, tout simplement, correctement jouer au jeu et de manière, j'ai envie de dire, presque optimisée, parce que là c'est vraiment du je me balade et je tire. C'est pour ça que je voulais aussi absolument trouver une grosse ville pour pouvoir peut-être m'acheter un Cobra, même à pas attendre le Vulture et passer au Cobra pour changer de type de gameplay. Mais bon, on verra. Hop. Demande d'appontage. Hop.
C'est parti, on y va. Alors. C'est bien ma place de parking là. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Hop. Hop. Hop, voilà. On entre, on regarde ce qu'il y a vite fait dans le spatioport, des fois qu'il y a des missions sympas. Et puis j'enchaînerai peut-être avec un deuxième épisode à tourner. Je suis vraiment désolé, chers amis, hein. Je fais ce que je pneumatique. Hop. Au niveau du tableau d'affichage, qu'est-ce qu'il y a? Allez! Voilà, voilà. Là, ça, c'est du. Donc, à mon avis, ce qu'il y a avec les têtes de mort, c'est du pirate. Le reste, je sais pas du tout ce que c'est. D'accord, donc là, c'est pour acheter de la réputation, entre guillemets. Non, j'ai pas envie d'acheter de la réputation. 27 000 crédits, mon dieu, c'est pathétique. Bon, bah écoutez, les amis, encore une fois, je suis désolé, je peux pas faire mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à postuler dans le groupe Steam si vous souhaitez participer à une session de tournage, je serais ravi de pouvoir vous accueillir. n'hésitez pas si vous souhaitez directement à m'acheter dans le jeu, un peu à la manière de Kaikan, là, Kaiken, je sais plus. J'avais juste... Cayenne, pardon. Piment de Cayenne. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à plus pour d'autres aventures. Salut les gens!